c'est Freeze de la Bugs Funny Production. On se retrouve après un petit long moment d'attente. Oui, oui, nous plaidons coupables. Mais oui, oui, les examens nous ont pris du temps. Mais nous sommes là, de retour, présents. Et moi, je continue mon petit let's play sur Mirror Edge. Eh oui, messieurs, eh oui. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait longtemps, j'avais dit que j'avais rapidement un petit problème sur Mirror Edge, en fait, qui faisait que mes sauvegardes étaient pourries. Voilà, hein. Je ne pouvais pas sauvegarder, j'étais obligé de faire le jeu d'une traite. Ce qui fait qu'à un moment, il m'a planté, le jeu, hein, voilà. Du coup, j'ai eu un peu, comment vous dire, la flemme de tout recommencer à zéro. Mais là, suite à, je sais pas, deux, trois petites magouilles de ma part, j'ai pas compris comment j'ai fait, en fait, mais... Et sauvegarde. Ce qui est fort bien. Et je viens de me péter les tibias, très bien. Oui, du coup, ça, tout ceci va être mille fois plus simple comme ça pour vous tourner des petites vidéos régulièrement. Donc, voilà, on se retrouve encore une fois pour un let's play de l'infini. Et je fais de la merde. Juste avant que je sois avec vous, je roxais du poney parce que j'ai dû remonter quand même les niveaux. Mais là, il y a des soucis, là, ça ne va plus. Ok. Donc voilà. Et puis, je ne veux pas vous mentir aussi, hein, ce qui m'a clairement remotivé un petit peu, c'est que... C'est la date. Eh oui, la date, les amis. Vous allez me dire, la date de quoi? Mais la date de sortie de Mirror Edge Capitaliste, le 2. Oui, nous avons une date. Et il serait temps, hein. Il serait temps depuis le temps que... Mais bon, il a l'air dingue, complètement fou, complètement arraché. Et ça va être du pur bonheur de vous faire un let's play sur le 2. Ne tombe pas, ne tombe pas. Non mais, alors là, tu vas me lâcher ça, t'es mignonne, hein, mais t'es un petit peu conne des fois. Ok, très bien. Bon, donc il va falloir que je tape le slide. Non plus. Putain, mais... Find you! Voilà, je t'ai eu. Allons-y, toujours un petit hélico des familles qui nous tire sur la tronche. Voilà, mais toujours, autant une merde, il n'arrive pas à viser. Ok, mon instinct de coureur me dit non, qu'il fallait pas tomber. Jusque là, tout va bien. Je pensais qu'il y avait une petite manette ici, il n'y en a point. Eh bien, tant pis. Allons-y, allons-y. Alors oui, donc nous allons reprendre, donc je vais du moins essayer de reprendre les vidéos plutôt régulièrement, hein, voilà. Là toujours sur peut-être des formats un peu plus forts, un peu plus gros. Et salut. Des formats, je tablerai peut-être, avant j'étais sur du 15 minutes, je tablerai peut-être sur du 25, on verra en fait, je ferai ça au feeling. Pour ne rien changer, encore une fois, bien sûr, je ne vous couperai jamais pendant l'action. On attendra toujours d'avoir un petit temps mort, ce qui fait que des fois, ça peut s'étaler sur plus de longueur. Heureusement que j'ai activé les sous-titres, parce que vu que je parle en même temps avec ma grande gueule, vous n'entendez strictement rien. Ça manque de skill, tout ça. J'aurais dû le faire... J'aurais dû le faire mieux que ça. Comme ça. Voilà. Là, il y a du skill, là. Là, il y a de la puissance, là. Non, mais... Décidément. Rien ne veut fonctionner comme j'ai envie, moi. Voilà, voilà. Sans pression, hein, toujours. Hein. Il y a les mecs qui nous tirent dessus, mais genre, rien à y carrer. Vas-y, tire si t'as envie. De toute façon, ça ne nous atteint pas. Ah, si, ça vient de nous atteindre. Très bien. Un tout petit peu la gorge prise, hein, je suis désolé. Hein. Allez, Bandai. Oh, tellement de puissance. Et merde. Puissance de merde, ouais. Excusez-moi, hein, ça c'était un big fail de l'infini. Mais, ok, bon bah, à l'ancienne, gros. À l'ancienne, ouais, pause, je prends mon time, t'as vu. Voilà, bon maintenant que je connais le chemin, on va te speedrunner ça. Heureusement que je dis que je connais le chemin. Et voilà.
Ça m'apprendra à ouvrir ma grande gueule. Ouais. Merde quoi. Voilà. Donc là, on monte, on part. En haut. Voilà, on prend de l'élan à partir d'ici. Et là, on saute. Parfait. Là, on prend ici. Tac, là, ennemi en face, théoriquement. Voilà, toi c'est réglé. Alors, par où? Voilà, c'est par là, la petite planche. C'est par où? Magnifique skill. On continue ça. Voilà, c'est parfait. Ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai bien fait de me rentraîner quand même avant de venir. Ça pouvait potentiellement être utile. Parfait. Voilà. Mais là, celui-là, je ne comprends pas pourquoi il veut pas me... Il va vraiment falloir qu'on m'explique. Voilà. Et à la limite, même si là, je me suis rattrapé comme un tas de merde, t'aurais pas pu me faire ça plus tôt. Je vois même plus l'échelle, genre. Allez, je suis aveugle. Je suis malade. Avec cette skill, mon petit. Alors. On essaye de pas se refail. Aïe. J'ai mal. Aïe. Ok, c'est parti. C'est mieux quand on saute. Ok, donc la porte est par là, toujours. C'est pas possible. J'ai failli renverser ma tasse sur le clavier. Bah pourquoi, moi, ça m'a paru super simple. Je dois le revoir. Oui, cinématique. Ça veut dire qu'on a donc fini cette partie. Ça, c'est fait, c'est bouclé, c'est plié, c'est emballé. Maintenant, je rouge, j'ai dans la bouche. Non, tout ceci s'emballe beaucoup trop. J'ai eu votre message. Ninja. Je me suis renseigné sur Rob Byrne. Pourquoi? C'est Travis Burfield, ancien garde du corps de peau. Vous pensez que c'est le tueur? Peut-être. Il a certainement piégé Kate. Il voulait qu'un flic soit accusé, et il n'était pas seul. Il aurait mentionné un projet Icar. Burfield est très dangereux. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Il a piégé ma sœur. Désolé, Face. Pourquoi? Pour ça. Je veux pas laisser tomber Kate non plus. Mais les sociétés de sécurité privées deviennent trop encombrantes. Elles empiètent sur notre territoire. Ce qu'elles attendent, c'est que la police fasse une bavure. Mais j'ai peut-être un bon moyen de les amadouer et d'aider Kate. Leur livrer... Moi. Oui. Ce qui compte, c'est Kate et sa sécurité. Alors je vais vous relâcher. Et si vous me menacez encore une fois, vous êtes mort. Et maintenant, je crois que je vais faire une faveur à la ville. Ok! Bon, ça devient tendu du string. Ça devient très très tendu, hein. Bonjour, petit hélico. Tu vois un hélico se diriger vers le rendez-vous de Rob Byrne. Tu penses que c'est Rob Byrne? Pourtant, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Ok, donc... rebrief ou débrief ou ce que vous voulez, si vous connaissiez pas l'histoire. Ce flic, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Et moi, je ne sais pas sur quel pied monter. Enfin, bah, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que ce flic est à la fois honnête et fidèle envers notre sœur, sauf qu'en même temps, eh ben, s'il veut être honnête, il ne peut pas être fidèle à notre sœur. Tout ceci est très le merdier. Très bien. Alors, ça se rendra, on utilise le joker, voilà. D'après les plans, il y a une clôture électrique ici.
Je tiens pas à ce que tu vérifies. Alors ne prends pas de risques et coupe le courant. Ah oui. Mais Ah, il faut que je saute de l'autre côté et que je rattrape. Ok, c'est parti. Merci bien. Je me demande si Faith était comme les chats, vous savez, elle a plusieurs vies, parce que là, à ce rythme-là, elle risque de toutes les consommer avec moi. Magnifique. Pourquoi tu n'as pas sauté? Quand je martèle la touche espace, c'est pour sauter. Tu vas devoir sauter. Voilà, parfait. On ne perd pas de vitesse, on continue en cours. Non mais... J'en ai marre. J'en ai marre. Allez, ça va le faire. Parfait. 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 Et là, on vise bien, on saute. Voilà. Tu pouvais pas me faire ça, tu démarres. Sinon. Que dire. Il faut meubler. Oui, alors donc comme on vous l'avait dit, on a fait passer une petite vidéo annonce avec toute Bugs Production. Et on va tous revenir. Même Alex normalement devrait se mettre à tourner. Ce qui est assez fantastique. Il devrait nous reprendre ça sur Rainbow Six Siege. Hein. Putain de jeu de ouf. Hein. Faut bien le dire. Hein. Moi j'ai regardé quelques petits trailers. Il a l'air d'envoyer du pâté. Et moi, ce que je vais vous faire, c'est qu'une fois qu'on a fini ce petit let's play des familles, hein, déjà plusieurs âmes vont se présenter. J'aimerais bien vous faire du Battlefront. Ah, Battlefront. Ah, Star Wars. Oh, une mallette. C'est une très très grande histoire d'amour. Deux secondes, je peux mettre comme ça en bas. Oh, en bas, nickel. Voilà, parfait. Ah oui, du Battlefront, hein, parce que voilà, Battlefront, on va se le dire très clairement, ça va envoyer du steak vénère. C'est calme. Pas étonnant quand Burn l'ait choisi. Si des gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Trouve un moyen de monter. Ouais, okay. Du Battlefront Mirror Age 2, hein, voilà, hein, capitaliste. Bon, celui-ci devrait avoir une durée de vie un peu plus grande que Mirror Age classique, pour la simple et bonne raison que de toute façon là ce ne sera pas des circuits en fait pré-prévus, ce sera un putain d'open world en théorie, enfin de ce que j'en ai compris, avec un bon scénar. Hein, là il va y avoir beaucoup plus de fight et tout, ça va envoyer du pâté. Hein, ça va tabasser mémé à coups de jambon, voilà. Et je viens de tomber telle une vieille merde. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de petits détails. Voilà, c'est scripté mortellement. C'est un super jeu Mirror Edge. Par contre, voilà, il a ses limites au niveau des déplacements. Par exemple, pour arriver à tel ou tel endroit, c'est un circuit déjà prévu. Alors que sur le capitaliste, ah non, c'est tout est grimpable, tout va pouvoir être fait. Un peu comme dans beaucoup de jeux en fin de compte qui se font en ce moment. Hein. Regardez, type, je vais me montrer encore une fois de plus la gueule. Type Assassin's Creed, pareil, hein, c'est un peu dans le même genre. Sauf que là, ce sera dans l'univers Mirror Edge, un univers qui, pour moi, me plaît des masses. Qui me plaît énormément même. Encore une fois, ne me voterez. Voilà. Je suis déconcentré quand je vous parle, mais c'est pas votre faute, c'est moi qui suis un boulet. Ouais voilà, un peu comme ouais, du Assassin's Creed qui vous permettra de monter partout, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Attention hein. Mais voilà, dans l'univers un peu futuriste de Mirror Edge, donc ils vont pas se fail comme moi. Ils vont vraiment insister, vous savez, sur le côté état un peu totalitaire dans lequel nous vivons dans Mirror Edge. Et du coup, ce serait le début, il me semble. Je ne vais pas raconter éternellement, mais c'est ça. Ce serait les commencements de Face. Et ce serait fort intéressant comme petite histoire. C'est bon, clairement, de toute façon, Mirror Edge, si nous, on joue à du Mirror Edge, ce n'est jamais vraiment pour son histoire. Même si l'histoire tient la route, c'est une...
N'empêche que ce n'est pas forcément l'histoire que nous recherchons, hein. C'est plutôt le gameplay. Hein. C'est plutôt pouvoir faire des tricks comme ça, oui. Enfin, voilà, forcément, ce que j'essaie de montrer. Mais oui, forcément, si j'appuie sur... Ah, sur c'est ce genre de choses que nous recherchons. La maniabilité dans Mirror Edge qui reste assez folle. Voilà. On va faire des petites choses comme ça, des petites choses fort sympatoches. Merde, je sais où il faut qu'on aille. Hop. Non. Descends. Merci. Voilà. Ah, c'est un gameplay très nerveux. Moi, personnellement, j'adore ça. Je trouve ça assez fou. Pas beaucoup de jeux qui proposent des gameplays. Et encore moins pour du parcours comme ça. Toujours des moments où il faut se poser, il faut réfléchir et tout ça. Là non, c'est tu run ou tu meurs. Ok, très bien. Merde, putain, ma touche pour s'accroupir. C'est l'autre. Voilà, merci bien. Alors, à combien de temps de jeu nous sommes? Nous sommes à 20 minutes. Ah oui, je reconnais ce moment. 1000 heures, merde. Sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un flic. Il est avec Rob Byrne. Je parais qu'il est trempé dans ce projet Icar. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Ok, c'est parti. Oh, le traître. Dire qu'il disait ça pour Kate. Espèce de petit... Je vais t'arracher la tête. Et bim! C'est lui qui t'envoie? Allez vous faire foutre! Personne m'en tue, quoi! Bon, allez, amis, je pense qu'on va se laisser après ce petit combat des familles. Ouais, ça va aller. Ça vous rappelle pas vaguement Hulk ou Obélix? Boom! Bon, je crois que c'est ce qu'on appelle un fail. Les amis, bonne route. Ah, les dents jaunes, dégueulasse. Dis-moi, mon ami, il faudrait peut-être que tu te penses à te les brosser de temps en temps. Parce que là, t'es franchement pas beau, quoi. Peux-tu me dire, attends. Ne vite pas, on va peut-être passer à la cinématique. Non, on va pas passer à la cinématique. Tant pis. Personne m'en tue. Laisse tomber. Ouais, ça va aller. Putain, t'es mal enfoiré, comment il va arriver? Vite, il va falloir que j'enclenche le bullet time. Cette skill dans ta face. Hey mon gars, salut. Hey, tu feras gaffe, j'ai une marche derrière toi. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein? La petite fliquette? Ouais. Pourquoi une flic, hein? La politique, c'est pas mon truc. Qui a tué Poop? Vous? Non, j'ai engagé quelqu'un. Qui? Un professionnel. Je les rencontrerai demain à 2h, à l'atrium du centre commercial. Tu les reconnaîtras. Et vos liens avec Miller? Si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Fais gaffe, Pace. Pas d'embrouille ou vous plongez? Ok. Ah ah. Oula, saloperie! Merde, on a tiré! Rob Byrne est mort. Qu'est-ce que... Les flics vont bien. Tire-toi de là. Ok, d'accord. Donc, ce type a engagé quelqu'un pour tuer le maire, pour faire inculper notre sœur, on ne sait pas pourquoi. Je vais trop vite, le jeu a eu besoin de lancer un chargement, donc n'importe quoi. Et maintenant, il se fait descendre à son tour. Donc, des gens veulent couvrir leur trace derrière, ça, on est certain. Très bien, pourquoi j'ai voulu la jouer comme un bourrin? Bon, on sort de là et je leur fais l'amour et puis après on se tire. Tcho les bros! Alors vas-y, donne-moi ton arme, là je patiente. Ah
Fais dodo. Technique du chinois. Hein. Putain. Bon, maintenant, nous allons où? Par là-bas. Très bien. Ah oui. Le sans-efforceur. Ok. Et après ça? Oh dear. Eh bien voilà. C'est ce que j'appelle une bonne petite descente. Qu'il a engagé. J'augmente ton signal, essaie de frayer un chemin. Oui, et bien sûr, tu ne pouvais pas sauter. Bon. Par où c'est qu'on doit aller? Là-bas, de l'autre côté. Parfait, ben merci. Pourquoi je me suis léché à monter? Pour rien, bien entendu. Mais non. Ok. Il faut que j'aille en haut. Ah voilà, j'ai compris pourquoi je me faisais chier à monter. Ok, donc il va falloir que je tape ici. Et là, je saute. Bim! Allez! D'après le signal, les flics sont loin. Fais quand même attention. La station Raidin Park a l'air fermée. Les flics? Mais je les mange au petit-déj, moi! C'est qui le patron? Là-bas, mais je suppose que la ligne est en tension. Du coup, il va falloir sûrement monter par là, remonter par là. Aller par là. Ah merde, les flics arrivent dans le métro. Continue. Et voilà! C'est bon, ça! Appelle la police, appelle la police! Allez. Non, mais oui, abruti. Bon bah ouais, j'ai perdu. On va recommencer, hein. Ah non, je peux rallumer par là. D'accord. Très bien. Ok, je pensais que c'était définitivement bloqué. Enfin, à vrai dire, ça ne m'est jamais encore arrivé de me faire sur ces passages-là. Ils veulent ta peau. Tiens-toi prête. Bah, ils veulent, ils n'auront pas. Mais... Ah, tu peux me... Viens là, là, je te dis, c'est qui le patron? Oh, oh. C'est plus moi, j'arrive. Allô maman, bobo. Bim. Je sais même pas pourquoi j'ai mis le bullet time, j'avais enclenché pile au moment où j'ai activé le bullet time. Salut. Coucou, tu en vas trop vite. Merde. Putain. Vite, donne-moi ton arme. Ok, on va fuir. Bon. Très bien. Tout ceci fut un fail. Tout ceci fut fort en émotion. J'en ai le cœur qui palpite. Et on va se laisser là. Et ouais, c'est triste. C'est la tristesse. C'est bien faire 25 minutes qu'on est ensemble. Ceci est très bien. C'est une bonne petite reprise en forme. On a battu un des boss. Un des... Ah, mais attends, bordel. On a battu un des boss. Bien passé, je vais quand même essayer d'éviter de mourir, connard, au moment de dire au revoir. Bah c'est perdu. Ok, et bien les amis, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à commenter sur le retour, à ne pas commenter, hein, vous en faites quand vous voulez, c'est vous qui décidez. Un petit pouce rouge, bien sûr, c'est ça, le buzz négatif est complètement fou. Non, petit pouce vert, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager, je m'embrouille dans mes phrases, c'est nickel. Allez les amis, ciao, ciao.